Pour nous, celui que nous mettons en rang numéro un de nos orientations, alors que trop souvent dans les programmes des partis, il est classé au 15e, au 30e, au 60e rang, c'est l'enjeu européen. Nous devons être de grands Européens. Pour cela, il faut oser le fédéralisme. Il faut aussi que les collectivités locales commencent à s'engager dans cette voie de non-remplacement des fonctionnaires territoriaux qui partent à la retraite. Nous proposons, c'est dans le livre numérique, qu'il y ait un ministère des droits de la femme, c'est-à-dire une fonction qui ne soit pas en bas de la hiérarchie gouvernementale, mais plutôt en haut de la hiérarchie gouvernementale.